Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo trop mais vraiment trop spéciale pour moi. Parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire à ma fille. Elle a eu 2 ans, enfin aujourd'hui le 1er janvier. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire à ma fille. Et je suis super excitée. C'est vraiment le meilleur cadeau que Dieu a pu m'envoyer sur terre. Ça fait trop bizarre de dire que j'ai un enfant de 2 ans. Franchement, on s'en rend vraiment pas compte que le temps il passe super vite. Je remercie Dieu d'avoir fait en sorte qu'elle voie encore un jour de plus, qu'elle fête ses 2 ans avec moi. Pour toutes celles qui m'ont demandé sur Snapchat d'où elle venait, mes mèches, je vais vous dire. Alors, ma mèche, elle vient de chez Beauty Forever. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vous mettrai le lien en description, mais j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est 3 paquets de 22, 24, 26 pouces qu'ils m'avaient envoyé avec une closure de 18 pouces. Je vous mettrai en description parce que je suis pas vraiment sûre des infos que je vous donne, mais je mettrai en description. Mais par contre, au niveau de la qualité, je peux vous dire qu'elle a pas bougé. Vous pouvez regarder entre la précédente vidéo et cette vidéo, elle a pas du tout bougé. J'ai pas perdu du tout de cheveux, je suis vraiment satisfaite de celle-là. Rien à dire, mais vraiment rien à dire dessus en fait. Et cette fois, j'essaie de trouver des moins, mais je trouve pas pour l'instant. Je suis satisfaite et femme satisfaite, femme heureuse. C'est vraiment trop doux. Franchement, la qualité, elle n'a pas changé du tout. Assez parlé, c'est parti pour la suite de la vidéo. Je vais vous montrer donc quelques photos de ma grossesse, mes photos d'il y a 3 ans. Je vais choisir des photos de mon ventre avant, pendant la grossesse et après la grossesse. Donc mon style, il n'a pas du tout changé quand j'étais enceinte, mon mode de vie, rien n'a changé. J'ai pas sélectionné les photos où on voit mon ventre, que mon ventre dénudé ou quoi que ce soit. Non, parce que je trouve que on s'en fout de toute façon et puis il y a tellement de ventre à voir sur internet que voilà. J'ai juste pris des photos de moi quand j'étais enceinte. Donc la première photo, cette photo j'aime bien parce que ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs. J'étais vraiment à fond dans le sport à cette époque. Même maintenant je le suis encore, j'ai repris. Donc ouais, j'adore cette photo parce que ça me rappelle que j'étais encore jeune. J'avais pas de contraintes et ça fait bizarre de voir ça. Alors la deuxième photo. J'aime pas cette photo. La deuxième photo, c'était à Amsterdam. J'étais partie à Amsterdam avec Lydie. Et mon ventre était encore petit, mais j'étais à 5-6 mois de grossesse. Ouais, j'étais à environ 5-6 mois de grossesse. C'était en septembre, ouais, donc j'étais à 6 mois de grossesse. J'étais quand même habillée comme si j'allais faire un tour. Personne ne savait que j'étais enceinte de toute façon. Donc voilà. Alors, cette photo-là, je faisais trop Mariana aussi dessus. Et pareil, j'avais pas changé du tout. J'ai même pas pris du poids, j'ai rien pris, j'ai pas grossi. J'ai pris 4-5 kilos en plus, mais je les ai perdus, je crois, une semaine après. Ça me rappelle tellement de bons moments. Je me disais, mais à quoi elle va ressembler ma fille? Comment ça va se passer? Comment je vais être en tant que maman? Et maintenant, je le suis depuis déjà 2 ans, c'est trop bizarre. Ensuite, cette photo-là, 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. Et il commençait à faire froid, mais le plus marrant c'est que j'avais demandé à ma copine de me prendre en photo parce qu'il faisait un petit peu froid quand même, on dirait pas comme ça, mais il faisait froid, je voulais vraiment faire cette photo, genre il faisait trop beau et tout, mais non, il faisait vraiment froid. Et cette photo me rappelle trop de souvenirs. J'étais avec Lydia en plus ce jour-là et Archange, des copines à moi. Ouais, j'étais à 6 mois et demi et tout le monde se disait, oh, quand tu vas être maman, tout ça, ça va être comme ci, comme ça, comme ça. Tu sais, des trucs de filles. Hein. Là, j'étais à 7 mois de grossesse. Mais va savoir où j'allais comme ça. Je sais même pas où c'est que j'allais comme ça, mais j'étais vénère. Oh, cette photo, elle est trop mignonne. C'était c'était une semaine avant que j'accouche. Et j'avais décidé de faire des photos dans la neige et tout, ma dernière photo dans la neige, la veille du jour où j'ai accouché. C'est vraiment la phase terminale de quand est-ce que j'ai accouché. C'est la photo qui m'a marqué le plus parce que je savais pas que ce jour-là j'allais accoucher. Je pensais qu'elle allait venir 2 semaines après. Ouais, non, c'était vraiment mignon. Cette photo, elle me rappelle trop, mais vraiment trop de souvenirs. Et je la kiffe cette photo. Ensuite, une photo de moi, après ma grossesse, j'ai perdu encore du ventre depuis ma grossesse. Ça fait il y a quand même 2 ans. Et franchement, ouais, c'est des souvenirs. Franchement, ça me manque d'avoir mon bébé dans le ventre. C'est bizarre de dire ça, mais c'est, vous savez, ces moments où le bébé il tape et tout, on se dit oh là là, il est en train de donner des coups. Enfin bon. Pour celles qui sont pas encore maman, vous ne comprenez pas, mais
demander à des mamans ce que ça fait, elles vous diront. Je vais juste faire cette petite vidéo pour me rappeler de quelques, mais vraiment quelques petites photos. J'espère qu'il y a des futures mamans qui regardent cette vidéo aussi, ou alors il y en a qui rêvent d'avoir un enfant, et je vous le souhaite, hein, franchement. Si vous êtes trop jeune, attendez quand même, parce qu'une fois que vous êtes maman, c'est un peu... C'est pas si facile qu'on croit. Surtout quand l'enfant vient de naître, c'est pas facile. Donc voilà, je sais que j'ai pas choisi beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup de photos. Mais ça me fait plaisir de partager ces photos avec vous. Et donc voilà, je pense que ce sera la fin de ma vidéo. On se retrouve à une prochaine vidéo. Je fais plein de gros bisous. Mouah.